sommes le 27 novembre 1942, avant l'aube. Dans le fracas des explosions, une grande partie de la flotte française, prise au piège, disparaît dans les eaux couvertes de mazout de la rade de Toulon, pour ne pas tomber entre les mains de l'ennemi. Seules quelques unités réussissent à s'échapper, malgré les détachements blindés qui envahissent les jetées, les bombes d'avion, les mines lancées devant eux dans les passes. Il est 5h30. Un sous-marin sort de la rade. Il a été légèrement endommagé par des explosions de mines. Son poste émetteur de radio est hors d'état de fonctionner. Aucun moyen de faire connaître aux alliés sa présence. Il va être pourchassé à la fois par les ennemis et par les alliés. Il plonge. Sans la maîtrise de l'accord, toute opération est impossible sur les côtes de Provence. L'ennemi l'a bien compris. Fortifications, troupes nombreuses, rien n'a été négligé. On nous signale également la présence de bateaux ennemis devant Alger. Le dispositif britannique de détection fonctionne à merveille. Submarine 250, 10,000. Sous-marin escorté, préviens l'amirauté. Dis donc, Marek, ça commence à sentir l'air des palmiers. Ah, l'Algérie, mon rêve. Ben, mon vieux, après ce qu'on a reçu sur la gueule à la sortie de Toulon, si on n'a pas été transformé en pâture au crabe, c'est vraiment que le commandant à la baraka. La baraka? Ben, la chance, quoi. La veine, si t'es mieux. Mais, Marek, Mistral, le commandant vous demande, allez-vous mettre en armée en tenue, on sait jamais ce qui nous attend. Brouillez-vous, on l'accoste dans 10 minutes.
Nous ne sommes pas présentables et ma casquette numéro 1 est restée dans la plongée. Permettez-moi de vous en prêter une. Merci, le Galec. Mistral! Ajoute un galon sur la casquette qui se trouve dans mon bureau. Bien, capitaine. Centrale écoute. Terminé pour la barre, terminé pour les moteurs. Diesel, terminé pour les moteurs. Terminé pour la barre. Bonjour, mon vieux. Bravo, c'est magnifique. Vous n'avez pas eu de casse, au moins? Non, amiral. Nous étions en état de combattre, nous avons choisi d'appareiller. Mais comment avez-vous pu vous en sortir? Le plus dur a été de franchir les filets. Nous avons reçu quelques bombes, mais nous sommes passés à travers, grâce à mon équipage, qui a été splendide, amiral. J'ai hâte d'en connaître les détails. Vous me donnerez votre rapport ce soir. Amiral, avez-vous des nouvelles de ceux qui sont partis avec nous? Oui, le Marsouin et Glorieux sont annoncés. Puis-je voir l'équipage? Ils manœuvrent pour prendre la tenue de repos. Les panneaux sont encore fermés. Je descendrai par le kiosque. Je veux les féliciter sans plus tarder. Continuez la manœuvre, je trouverai bien le chemin. M'en rends. Attention, l'amiral. Avant. Fixe. Repos, repos. Et compliments. Alors, les enfants, contents d'être ici? Oui, amiral. Et toi, mon petit? Amiral, content d'être à bord. Messieurs, je vous présente le lieutenant Delac, chef de mission, et le radio Luciani. Cette liaison avec la Corse qui commande tout, nous sommes en mesure de l'assurer grâce au Casabianca. Nous pouvons faire confiance à son commandant. Êtes-vous prêt à appareiller? Dès que j'aurai regagné mon bord. Immédiatement? Immédiatement, amiral. Prenez toute disposition que vous jugerez bonne pour réussir. Je débarquerai en Corse, amiral. Quand pouvez-vous être à bord? Nous sommes prêts. Votre matériel est important? Non, amiral. Un poste émetteur portatif, c'est tout. Sitôt débarqué, nous installerons un émetteur qui gardera le contact avec Alger. Alors, messieurs, c'est entendu. Je compte sur vous. Hé, Marek, t'as vu le Casabianca marcher comme un chronomètre? On ne pouvait quand même pas le leur laisser, on y tient notre bombonnière. Mais ce qui compte pour l'instant, c'est d'aller faire un tour à terre. D'ailleurs, le Pacha s'en occupe auprès de l'amiral. Ah, tu crois? J'en suis sûr. Belle bordure en perspective. À nous, les patemas. Un message à l'amirauté, capitaine. Hé, le motard, il parle au second, il perd pas de temps, le Pacha. Des permissions motorisées, jamais vu ça. Bien, on va la remettre à la vue. Prenez les dispositions d'appareillage. Bien, capitaine. Marek, Mistral, grand gala, allez vous remettre en tenue de travail. On appareillera dès que le commandant aura regagné le bord. Bah quoi, et les permes? Remise à une date ultérieure. Oh merde, c'est pas aujourd'hui qu'on ira voir les mouquières. Ouais, bah pour les permes, vous repasserez. Le Galec, Morvan.
Nos deux passagers, messieurs Delac et Luciani. La place étant comptée à bord, ce n'est évidemment pas très spacieux. Aucune importance. Moteur arrière 2, à droite 25. Même pas le temps de prendre la douche. T'en fais pas, tu te laveras en retour. Route 30 qu'il a dit le Pacha. Ça ne t'a dit rien? Moi, on me dirait qu'on va droit à la bagarre. À la bagarre? Inch'Allah. Maktoub. Ni de chevaux. Y'a pas de quoi rigoler? En somme, commandant, on va foncer dans le brouillard. Exactement. Tout ce qu'on sait, c'est que l'île est défendue. Le Moukia qui t'attendait a eu le temps de se faire une raison. Et de gagner au change, c'est certain. Pour toi, tu vas là. En minute, les gars, on en a marre de vos simagrées. À la première grenade, vous serez plus aussi mariole. On débarque seulement en Corse. En Corse? Tu déménages en Corse? Oui, en Corse. Penses-tu, il se prend pour Napoléon? T'as envie de prendre le maquis? Tu as remarqué les deux Pékins qu'on a embarqués hier soir? Oui. Pourquoi les a-t-on embarqués? Chut! Mystère et périscope. Tiens, la radio qui s'énerve. Au fond, c'est notre meilleur instrument de bord. Quand il se couche, c'est qu'on manque d'air. Quand il remue la queue, c'est que la terre n'est pas loin. Non, c'est qu'il rigole. Terre, droit devant! Tout le monde en bas! Les purges sont ouvertes. 30 mètres, assiette-moi 5. Chassure rapide. On chasse au rapide. On a chassé au rapide. La barre a monté.
30 mètres assiette zéro. 30 mètres assiette zéro. Nous nous poserons par 50 mètres de fond en attendant la nuit. C'est une véritable veillée d'armes. À nous de jouer maintenant. J'espère, commandant, être votre passager au retour. Après la libération. On a frappé? Eh ben là, on vient d'aboutir le fond, on se pose. Si on se pose au fond, c'est qu'il y a danger. Du calme, radio. Sans phonie, sans contact avec l'extérieur, nous devrons marcher à l'aveuglette. Il est l'heure de faire surface. Bien, commandant, je vais rappeler au poste de combat. Je pense que la nuit sera assez claire, mais ces opérations doivent être très rapides. Messieurs. Poste de combat, nous allons faire surface. Poste de combat. Poste de combat. Complet poste avant. Complet poste avant. Complet poste arrière. Complet aux électriques. Complet aux électriques. Complet au diesel. Complet au central. Complet au poste de combat, nous sommes parés à faire surface. Chassé au rapide. Paré à chasser au rapide. Paré à chasser au rapide. Moteur en avant 2. 15 mètres. Périscope. Surface, chassez partout. Terminus. Beaucoup d'arrêts et pas de buffet. Désignez deux hommes d'équipage pour suivre la mission. Demandez plutôt des volontaires. Mais commandant, tout le monde est volontaire.
Maintenant, de la cave le soin. Ce sera dur, mais je vous envie. La façon dont on a emmailloté les avirons, on pourra souquer sans faire de bruit. On demande des volontaires pour conduire à terre. Présent, capitaine. Moi aussi, capitaine. Alors vous deux, suivez-moi. On vend le palot. La prochaine fois, on t'emmènera avec nous. Comme on avait besoin de deux malabars, tu comprends, c'est nous. C'est vous les volontaires? Oui, commandant. Vous accompagnerez la mission jusqu'à terre. Allez. Avec ces deux bipèdes, je suis tranquille. Si seulement nous avions la radiophonie. Ça viendra, mon vieux. Ça viendra. Est détruit, il est impossible de regagner le bord. Vous deux, vous restez avec nous. Vous tentez de gagner le Casa à la nage, vous rendrez compte du débarquement au commandant. Entendu. Au revoir et bonne chance.
Tout va bien? Oui, commandant. Mais le Yu-Yu est détruit. Marek et Mistral sont restés à terre. Ils se rendront utiles, j'en suis sûr. Moteur en avant 4, à droite 20. Moteur en avant 4, à droite 20. Moteur en avant 4, à droite 20. Le Galec, la première mission avec la Corse est accomplie. Le principal est fait. Avion! Tout le monde en bas. Chargeurs tombés à la mer, mais nous avons récupéré deux mitraillettes. Bien. Et les vivres? Dans la flotte. Ça commence bien, va falloir se mettre la ceinture. Alors je pars en éclaireur. Vous, Loutchenik, quitte du pays, vous m'accompagnez. Vous deux, restez ici. Je vous ferai chercher dès que je pourrai. Compris. À bientôt. Bonjour, monsieur l'abbé. Vous pourriez me dire l'heure, s'il vous plaît? L'heure? Il est environ 8 heures. On est loin du village. C'est encore assez loin, mais ce n'est pas très loin. Vous êtes sûrement un bon Corse, monsieur l'abbé. Un bon Corse? Oui. Je suis un bon Français. Alors on peut vous parler. Nous avons débarqué cette nuit. Nous arrivons d'Alger. D'Alger? Oui. Vous connaissez les patriotes, monsieur l'abbé? Nous ne pouvons pas parler ici. Venez me voir tout à l'heure après la messe. Je vais vous demander de me suivre à distance. Hé, hey, Santini, il fait beau. Autant, Matteotti. La campagne est verte, très verte. Le vert partira bientôt, moi je le dis. Qu'est-ce que vous décidez? Et vous, monsieur le curé? Moi? Je marche. Nous aussi. Venez ici. D'où es-tu? De Sartène. Et toi? De Paris. Paoli. Tu vas prendre ces gens-là chez toi. Au cimetière? Hmm? Mais ça va nous faire des complications. Non. Au contraire, c'est une bonne idée. Jamais les Allemands ne se douteront qu'il y a tant de vivants chez les morts. Quant aux Italiens, ils savent que je suis le fossoyeur. Et quand ils me voient, ils foutent le camp. Maria! Entre avec nous pour accompagner nos invités. Ma fille Lucia, ma cadette. Vous connaissez toute la famille. Mademoiselle Maria est une infirmière parfaite. Et Johnny. Vous ne croyez pas qu'il serait grand temps d'aller récupérer les deux matelots qui doivent commencer à trouver le temps long? Et attention au matériel. Soyez tranquille. Je vous accompagne. Nous passerons par le raccourci qui mène à la mer. Amoroso.
Maintenant que la patrouille est passée, nous sommes tranquilles pour au moins 2 heures. Ils nous ont sûrement laissé tomber. Et on claque du bec. Ça nous change du Casabianca. Je commence à avoir une indigestion d'oursin et d'eau salée. Je vous présente notre agent de liaison, mademoiselle Maria. Tout va bien, les gars? Tout va bien. On voudrait bien manger un morceau. Passez-moi le poste. Planquez les armes. On va les chercher après. Suivez-nous et pas de bruit. C'est la relève de la patrouille. Nous avons juste le temps. Ne vous dit pas, c'est que vous êtes en train d'engloutir toutes les rations de la famille Paoli. On croyait que c'était son ticket. Excusez-nous, mademoiselle. Merci beaucoup. On n'a plus faim. Je vais vous préparer un matelas. Vous ne serez pas très à votre aise, mais c'est tout ce que nous avons à vous offrir. On a l'habitude. D'abord, on est encore plus à l'étroit. Moi, ça ira, mais c'est pour le grand. Il a toujours les pieds qui dépassent de la couverture. Est assuré depuis quelques heures. Le poste émetteur sera dénommé Pearl Harbor. Félicitations, commandant. Notre succès, comme notre effort, appartient à tous. Je ne pense pas que vous ayez le temps de vous reposer sur vos lauriers. Les événements se précipitent. Je viens vous avertir que votre départ est imminent. À vos ordres, amiral. C'est peut-être une bonne cachette pour les armes, mais t'avoueras que c'est pas du boulot de marin. En creusant bien, on finira peut-être par trouver la flotte. Quand on fait de flotte, moi, à la première occasion, je rembarque. Moi aussi. Vous êtes servi, le Casabianca sera là lundi avant l'aube. Oui, vous allez pouvoir retrouver vos camarades. Oh, chouette, on va retrouver les copains. Allez. Oh! Venez le Galec. Toujours ces moteurs. On est à la tête qui pète. Tu les entends donc pas, toi? Donc ça tourne, ça va? C'est quand ça s'arrête qu'on peut avoir les foires. Avec un barda comme le nôtre, de quoi faire sauter la tour Eiffel. On en a pour deux nuits à débarquer tout ça. Il va falloir aller vite. Le chargement est important cette fois. Nous avons des embarcations supplémentaires. Ça ira. J'ai surveillé moi-même les essais de phonie. Nous sommes parés.
Toi, reste ici, je vais prévenir les autres. JLG. Prévenez l'amirauté que la présence d'un mouilleur de mine est signalée sur la côte. Ok. Pardon, capitaine. Un message, commandant. Gagnez du temps sur l'horaire pour arriver à l'endroit désigné avant le passage d'un mouilleur de mine. Augmentez jusqu'à 290 tours. Moteur à 290 tours. Réglez les moteurs à 290 tours. Moteur à 290 tours. Moteur réglé à 290 tours. Cette allure-là, ils vont tout faire claquer. Alors, Maria. On prendra votre barque ce soir. Compris, Maria. Au rendez-vous et pas de temps à perdre. Commandant, une barque vient sur nous. Ce sont eux, au poste de débarquement. Paris à débarquer les munitions. Content de vous revoir. Moi aussi, commandant. Les Corses sont prêts à un soulèvement, seulement il nous faut des armes. Encore des armes. Insistez à Alger pour qu'on double vos missions, pour qu'on les triple. Entendu, comptez sur moi, j'en parlerai à l'amirauté. Merci. Vos deux hommes demandent à réintégrer le port. Occupez-vous de ça, le Gunnick. Bien, commandant.
beaucoup comme ça? Non, ce sont les derniers. 20 tonnes dans la nuit, ça suffit. Tout le monde en va, nous allons manger. Nous allons nous poser sur le fond. Les accusations à plat. Quelles sont les densités? Bâtiment ennemi par le travers tribord. Se poser sur le fond. Assiette moins deux. Mais on pourrait attaquer ce mouilleur de mine. La discrétion de l'opération est beaucoup plus importante. Bien proche. Cette fois, si on s'en tire. Fais pas cette gueule-là, on joue pas au héros. On fait les déménageurs. C'est un mouilleur de mine. Commandant, les coups de signal que le mouilleur de mine est hors de portée. On ne peut pas transporter tout ça cette nuit. Laissez les caisses de munitions dans la tour. Demain, avant le lever du jour, on les portera au bois de Piane. Il n'en reste plus que la caisse de grenades. Ils doivent se douter de quelque chose. Pour prévenir les hommes, je vais les surveiller. J'y vais. Une patrouille est à la tour. Si j'allais voir ce qui se passe. Oui. Non, Maria les surveille. S'ils trouvent les armes, nous sommes foutus. Du calme. Dispositif d'alerte. Paoli, allez dire à Matteotti de prévenir le maquis. D'accord, et toi, Lucia, va rejoindre Maria et tiens-nous au courant. Bien. Restons tranquilles. Ce soir, nous prendrons contact avec Alger.
Per gli esplosivi francesi, silenzio la comandantura. Francesi zi, tedeschi zi, sbruglio la nostra sé. Ecco. Avanti. Allez, rentrons. J'ai entendu ce qu'ils ont dit. Ils ont trouvé les munitions. Mais le chef de patrouille a interdit aux hommes d'en parler pour ne pas avoir d'histoire. Du beau travail, Maria. Vous aussi, ma petite Lucia, vous avez eu beaucoup de sang-froid. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut déménager les armes cette nuit même et prévoir un groupe de protection. Je vais voir le général en chef. Mais auparavant, je tenais à vous présenter le lieutenant Dudley, de l'amirauté britannique, qui vous est détaché comme officier de liaison. Glad to know you. Enchanté, commandant. Le pavillon que le commandant de la 8e flottille britannique nous a décerné nous flatte beaucoup. Les pirates d'autrefois hissaient le Jolly Roger. Et le Royal Navy a conservé la tradition. Notre équipage en est très fier. 6 dagues blanches pour 6 missions secrètes réussies. J'espère au retour ou moi-même le 7e. Puisque maintenant, je fais partie, moi aussi, du sous-marin Casabianca. Un bâtiment par le travers tribord. Alerte! Immersion 30 mètres, assiette moins 5. Repéré. Oui. Gouverneur Nord. Ça va drôlement valser. Cette fois-ci, on va prendre un coup dans le mirliton. Gouverner 5 degrés plus à droite. Gouverner 5 degrés plus à droite. Centrale, écoute. Peut-on démarrer la turbine? Peut-on démarrer la turbine? Interdiction de démarrer la turbine. Interdiction de démarrer la turbine. Faites passer une tonne de l'avant à l'arrière. Attention auxiliaire, faites passer une tonne de l'avant à l'arrière. Attention barre avant, assiette zéro barre arrière. Voineau poste avant. Paré. Voineau aveuglé. Centrale, écoute. On a passé une tonne de l'avant à l'arrière. Bien. Elle a pas pété loin, celle-là. Elle est pour moi.
celle-là est pour moi. Oh, les vaches. N'aie pas peur, Rabiot. Rabiot en a marre. À l'avant 4. Gouverner au 30. Grenadage terminé. Un retardement. 29 secondes sans explosion. 35 secondes. On perd notre trace. Il faut tenir encore un instant. 60 secondes. On n'entend plus rien, il a dû foutre le camp. C'est toi qui as dû leur faire peur. En tous les cas, moi, j'ai pas eu peur. On peut dire qu'on a échappé belle. Vous n'en pouvez plus, commandant. Les hommes aussi n'en peuvent plus. Je vais les voir. Pas trop fatigué, les gars? Non, commandant. Une lettre de ta belle? Non, commandant. Une vieille lettre de ma mère. Pas de nouvelles depuis Toulon. Une photo de ta mère? Non, commandant. C'est ma fiancée. Celle d'Alger. Mes compliments, elle est jolie. Et vous, les deux bipèdes, le moral est bon? Toujours, commandant. Hé, il est chouette, le Pacha. Lui, au moins, il a toujours le sourire. Il n'en a pas l'air, mais il a un drôle de cran. Nous, on est crevés, mais lui, il ne roupille jamais. Il est toujours sur ses pattes. Il le paiera un jour. Viens me réveiller dans une heure. Bien, commandant. Qu'elle avait en casse là demain, si Dieu le veut. Et Dieu le voudra, Maria. Il sera avec nous jusqu'au bout. Il nous rendra aussi la liberté. La liberté. Mais ce jour-là, vous partirez. Qui sait vous mènera à cette guerre. Rien ne m'empêchera de vous retrouver, Maria. Notre vie est trop fragile. Nul ne sait si nous nous reverrons un jour. Je lutterai de toutes mes forces pour vous rejoindre. Luciani! Je suis désolé d'interrompre votre tête-à-tête, mais la situation est grave. Que se passe-t-il? Le père Torrenti a été arrêté. Les patrouilles sont renforcées. Il faut prévenir Alger et nous assurer que le Casabianca fait route. Merde, le fou diesel. La compao a dû lâcher. Ici diesel, incendie moteur bâbord. On stoppe le moteur. Transportez les caisses de grenades dans le poste arrière. Faites établir une chaîne. Thank you.
pas de pétard. Il y a le collecteur d'échappement qui a chauffé dur. On peut dire qu'on a la baraka. Tout va bien? Vlapacha! Le moral est bon? Tout va bien, commandant. Ah, j'ai besoin de deux volontaires pour le transport des armes à terre. Présent, commandant. Non, commandant. Présent, commandant. Toujours les mêmes. Tenez-vous parés. Vous rejoindrez le lieutenant Delac. Bien, commandant. Bien, commandant. Je croyais que tu voulais faire du tourisme dans l'île de Beauté. C'était le moment ou jamais. J'ai préféré vous laisser la place, comme vous êtes des spécialistes. Hein. L'état-major a décidé que le soulèvement serait pour demain 9 septembre. Je rejoins le maquis. Le lieutenant de Lac restera en contact avec AG tant qu'il le pourra. Le mot d'ordre, tenir jusqu'au bout. Du maquis était descendu. Prévenez Luciani de partir immédiatement pour le remplacer. Mais les barrages du maquis sont infranchissables. Mais oui, je sais. Il leur faut un radio de toute urgence. Il ne reviendra pas. Luciani. La situation s'aggrave. Pendant que j'établirai les contacts avec la côte, vous allez partir immédiatement pour le maquis. Le radio a été tué. Vous devez le remplacer. Bon, je vais m'équiper. Sans les ordres. Mettez-vous à la disposition de Santini. Je ferai de mon mieux de Lac. Comptez sur moi. Je redescendrai dès que je pourrai, Maria. J'ai peur, Luciani. Vous si courageuse d'habitude, vous avez peur? Au revoir, Maria. Au revoir. Au revoir, de Lac. Aimé, n'est-ce pas? Ouk. Bon, Lucien. Quoi? Luciani! J'ai réfléchi. Je vous accompagne. J'ai à parler au chef d'état-major pour mon rapport à Alger. Nouvelle. Et en plus, nous venons de voir plusieurs otages arrêtés dans le pays. Ils ont lancé des patrouilles sur tous les chemins. Et Lucien n'est toujours pas là. Personne au poste de radio. On y va? D'accord. Deux mitraillettes.
vais vous ramener chez Paoli. Partez, Lucioni. On vous attend là-haut. Laissez-moi. Non. Je ne vous abandonnerai pas. Je rejoindrai immédiatement après. Je suis foutu. Aidez-moi, les gars! Si j'ai pu aider les amis corses, je le dois au Casabianca. Il reposera dans notre petit cimetière. Je veillerai sur lui. Rassemblement! Alger a promis de nous aider, mais les liaisons sont devenues difficiles. Vous le savez, il faut tenir coûte que coûte. Nous n'avons plus le droit de reculer. Nous descendrons sur Cacatoggio, et nous l'occuperons aujourd'hui même. En avant! Thank you.
Asseyez-vous, messieurs. Je viens d'être reçu par le général Giraud. Il m'a exposé la situation en Corse et m'a demandé ce que la marine pouvait faire. Un grand trouble règne actuellement dans les forces ennemies stationnées dans l'île. Profitant de ce trouble, les Corses se sont soulevés. Et ils tiennent le maquis. Mais le général m'a confirmé que leur action ne pourrait se soutenir que si nous leur envoyions immédiatement des renforts. J'assure au général que, quel que soit le risque, la marine française était prête à tenter l'opération. Pourtant, le QG allié ne peut nous donner aucun secours. Toutes les forces navales et aériennes alliées sont engagées à fond à Salerme, et le résultat de ce débarquement est loin d'être assuré. Est-ce bien ainsi, commandant? C'est exact, amiral. Et à notre grand regret, il ne nous est pas possible de vous aider. Vous ne pouvez compter que sur les moyens français. Le général dispose d'un bataillon de choc. Il m'a demandé si je pouvais le transporter immédiatement en Corse. Nous avons déjà rappelé le Fantasque et le Terrible, ils arrivent à 30 nœuds, mais seront là trop tard. Devant ce cas d'extrême urgence, il nous reste une seule unité disponible à Alger, le Casabianca. Paré pour toute mission, amiral. Combien d'hommes pouvez-vous embarquer? 100 hommes, amiral. Le commandant exagère, c'est impossible. On ne le sait jamais avec ce diable d'homme. Il a déjà tellement réussi des choses impossibles. Quand pouvez-vous partir? Dans 2 heures et demie, amiral. J'ai pris l'engagement de tenter l'opération. Les patriotes corses se sont révoltés à 1 contre 1000, leur vie est en jeu. Messieurs, je vous demande de rendre compte au général Eisenhower et à l'amiral Cunningham que la marine française tentera seule sa chance avec des moyens improvisés et que, si risquée que soit l'aventure, elle fera tout pour la réussir. Respect, commandant. Bonjour. Mon second. Très heureux. Respect, capitaine. Dudley, de la marine britannique. How do you do, lieutenant? How do you do? Vous avez eu tort, commandant, de ne pas être allé à la visite. Vous y perdrez votre santé. Il y en a tant d'autres qui perdent leur vie. Au sous-sol. Essuie tes pieds avant l'entrée, ne te casse pas la gueule en descendant. Alors, on va mouiller l'habit? Ah, j'ai attrapé mon arrière-train. Fais te chauffer la colle. T'en fais pas si t'es fait, tu iras jusqu'au bout sans payer. J'en crois. Sans cœur. Sans cinq. Allons-y, larguez, allez! Grouillez-vous, les gars! Dirigez la manœuvre. Bien, commandant. Ça y est, on décolle! Arrive ton barda si tu veux pas le prendre sur la gueule. C'est pire que dans le métro à 6 heures du soir. Avec les courants d'air en moins. Toi, le gros, en arrivant, t'auras la ligne, hein. Oh, bref, là-dedans, ça pue l'huile de riz, ça. Ça te purge. Oh, il a raison. C'est de la bonne camelote. Vos marins ont un moral superbe, commandant. C'est le moral de tous les instants. Et mes 85 marins ne font qu'un. Voilà la force du Casabianca. Ils ont surtout confiance en leur pacha.
Dis donc, tu sais nager, toi? Bon, ça fait rien dans un truc comme ça, même quand on sait nager, on reste au fond. Ah, dis donc, toi, c'est pas en lui, on débouche le flacon. Nous resterons en surface le plus longtemps possible, car nous avons trop de monde à bord. Cette mission est unique dans les annales de la marine. Quel tour de force! Comme vous le dites si bien, le Khazar. C'est de la bonne Kaamelott. Commandant, un message. La 10e division de croiseurs légers, le Fantasque et le Terrible, est retardée. Essayez de débarquer à Ajaccio. Gouvernez au 40. Nous allons à Ajaccio. Gouvernez au 40. Gouvernez au 40. Compris. Maintenant, les gars, on va à Ajaccio. Ouais, il y a des belles filles à Ajaccio. Oui, mais t'y frottes pas trop. Passe avant, écoute. Compris. Ça y est, les gars. On va aller marquer à Ajaccio. Ah, ah, ouais. T'es content d'aller à Ajaccio? Oh, moi, tu sais, je suis de Marseille et je m'en fous pas mal, là ou ailleurs. Nos hommes ne souffrent pas trop. Ce n'est pas très confortable, commandant, mais le moral est excellent. Rentrer dans le port d'Ajaccio, il n'y a pas d'autre solution. Il faut débarquer l'avant-garde pour préparer la défense du port et permettre le débarquement des troupes qui arrivent sur les croiseurs à toute vitesse. L'héroïque Maquis tient toujours les environs, mais il faut faire vite. Car il y a tout près une division blindée de SS. 50 000 Allemands en tout. Ils vont revenir en force. Les heures, les minutes comptent. Si le Casabianca ne rentre pas dans le port, tout sera perdu. Mais il y a des mines. Beaucoup de mines. La côte est hérissée de batteries et les Allemands occupent toutes les hauteurs. Va-t-il trouver l'ennemi? Va-t-il tomber dans un piège? Le Maquis tient-il encore? Il avance. Il avance toujours. Voilà le pilote du port. Bonjour, commandant. Bonjour. Alors, accostage au quai de la République. Très bien. Voilà, regardez-vous même sur la carte. Ici? Oui. C'est ça. Et voici Ajaccio qui l'accueille, insouciant du danger, ivre de liberté, et pourtant l'ennemi est encore aux portes. Grâce au Casabianca, l'héroïsme des patriotes ne sera pas inutile. Dans un mois, la Corse tout entière sera libre. Vernis. À la dernière traversée, on a failli tous griller comme des lapins. J'aurais jamais cru qu'on pouvait griller au milieu de tant de flottes. Hein? Encore heureux qu'on n'a pas été obligé de vous balancer par-dessus bord. Avec le cheval de Troie.
vous voilà les deux bipèdes. Allez vous mettre en tenue. Oui, commandant. Bien, commandant. Ce brave de là qu'aurait aimé voir ça. Je suis heureux, Maria. Commandant. Vous pouvez être fier de cette victoire purement française. Nous la devons aux Corses et aux hommes du Casabianca.